Shalom, shalom, bien-aimé de Dieu. Shalom à toi, porteur de grâce. Nous sommes encore réunis en ce matin dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une joie encore de nous retrouver en ce matin, deuxième jour de notre tridoum aux anges et aux archanges. En ce matin, avec eux, nous voulons encore bénir le nom du Seigneur. Lui dire merci pour cette nuit qu'il nous a donnée. Lui dire merci parce qu'en ce matin, il te réveille. Il réveille tout un chacun de nous. Lui dire merci pour ses merveilles, pour ses bontés qui se renouvellent en ce matin. Et en ce matin et en ce deuxième jour, éternel Dieu des armées, par tes anges, que tu puisses encore venir aller à la rencontre de tout un chacun de nous. Que tu puisses envoyer ton ange au devant de tout un chacun de nous. Pour que nous puissions entendre ta parole, entendre ces bonnes nouvelles que tu as à nous donner. Comme Pierre, que tu puisses envoyer ton ange aller faire sortir tous ces prisonniers qui sont enfermés au-dedans d'eux, qui sont enfermés dans leur maison ou enfermés même dans des prisons. Que tu puisses encore, éternel Dieu, au travers de tes anges et de tes archanges, faire du bien à ces âmes assoiffées et meurtries. Par Marie, notre mère, nous te prions. Mandaté par Dieu, j'entends.
de monter avec tous nos soupirs, avec tous nos cris, avec toutes nos peurs, avec toutes nos craintes, et de redescendre mandaté par l'Éternel Dieu des armées, avec toutes les bénédictions. Que vous puissiez encore aller à la rencontre de tout un chacun de nous. Vous donner encore à ceux qui cherchent guérison, délivrance, libération. Que vous puissiez descendre avec ces paniers, remplis de l'abondance de notre Seigneur Jésus-Christ. Que vous puissiez encore aller à la rencontre de toutes ces femmes, de ces hommes et de ces enfants. Marcher avec tout un chacun de nous. Cheminer avec tout un chacun de nous. Et à toi qui as peur, je te dis tout simplement de ne pas avoir peur. Mets cette crainte de côté et intérieurement dis à ton ange, je veux tout simplement te sentir à mes côtés. Et tu peux même poser cet acte prophétique en lui disant, tiens ma main afin que je marche avec toi tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Angélique, dans cette atmosphère que je te souhaite de passer une excellente et sainte journée. Que le Seigneur encore agrée à ton cri de ce matin par l'intercession de tous les anges, du neuf cœur des anges, qu'il agrée encore à tes cris et à tes soupirs. Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Journée bénie à toi.